Et hoyo minasan, c'est Gunsho. Et aujourd'hui, on se retrouve sur Final Fantasy Type 0. Donc voilà, donc là je vais montrer à peu près les personnages qu'on peut jouer, on va dire. Donc je ferai un... Voilà, on verra après. Donc voilà. Donc là c'est pour dire que j'entraîne mes personnages pour pouvoir continuer mon aventure. Donc c'est parti, on va tester d'abord lui. Puis qui c'est personnage actif, ok. Celui c'est Nine. Ok. Bon, on va tester Nine. Alors là, c'est des 3v1 en fait, donc le but c'est de décimer. Enfin, sans se faire décimer. Bon, après, ça fait longtemps que j'ai pas joué, hein. Ok. Ok. En train de me faire ratamer. Ok, d'accord. Lancier s'est fait défoncer. Ok. On les recommence, hein. On y retourne. Allez, c'est parti. Cette fois-ci. Voilà. Bon, voilà, c'est simple. En fait, si on les bute à chaque fois, ils réapparaissent. C'est l'entraînement, c'est l'arène. Ce qui va me servir pour affiner les compétences de mes joyeux lurions. On va dire, voilà. Les soldats, quoi. Bon, il faut jouer avec la manette, donc là c'est le pied. Bon, lui il fait chier avec son arme là. Il peut pas lancer des soldats uniquement à l'épée ou. Je sais pas. Voilà. Bon, après le but c'est ça, c'est ça s'enchaîne par des vagues 3 à chaque fois. Je sais pas si plus tard il y aura d'autres choses. Et après il faut ramasser en fait leurs âmes quand même. Leurs âmes et anima. C'est important pour améliorer les compétences magiques, on va dire. Le plan, j'ai pas encore trouvé à quoi ça sert ce type d'anima. Mais le reste, les vertes et tout, c'est pour les attaques du vent, le vert, le feu, et ainsi de suite quoi. Chaque anima a une. Oula, il enrage. Ah, il m'a tué. Bon! Ok, d'accord. Donc voilà, ça c'est Nine. Ok. Je crois qu'on va changer de personnage. Il y en a beaucoup, donc je vais faire assez rapidement. Donc voilà, alors lui utilise une lance. Mais on va continuer avec, on va dire, le personnage que j'aime pas trop jouer, on va dire. Mais il faudra bien que je le monte parce qu'il est level 10. C'est Dus. Parce qu'elle utilise, on va dire. Voilà, tu utilises une flûte. Allez savoir pourquoi une flûte. Hein? Pourquoi une flûte? Allez. Donc on va tester. Je vous garantis pas qu'elle est prête à faire ça, ok. Ok. Ok, d'accord. Comment vous osez taper une petite fille comme ça, bordel? Ok. 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 D'accord. Ok. Cool. C'est cool. Voilà. Ça, c'était Dieu. Voilà. Bon, c'est là perso me donner du fil à entendre. Ok. Allez, on continue.
Donc elle a fait ça, tac tac, on va appeler Sync. Qu'elle utilise... Tac tac, utilise un... Brise-crâne. Ça, c'est cool. Ça, elle est mignonne, on va dire. Bon allez, c'est parti. Allons-y. Alors, par contre... What the fuck? Ok, d'accord. Par contre, on a fait beaucoup de dégâts, mais... Ok. Mais... Elle est lente. Ok. À la tête. Voilà. Bon, ça c'est Sync. Elle va vous donner aussi du fil à retordre, comme vous voyez, pour l'entraînement. Comment dire, ces attaques sont très longues. J'espère qu'on pourra améliorer ça. Donc on continue avec Rem. C'est parti. Voilà Rem. Ok, d'accord. Donc c'est parti, allons faire ça. Alors, Rem. C'est une assassine. Ouais, ça se joue, en fait, ce jeu se joue sur l'esquive et sur l'attaque. Vu que c'est un peu du temps réel, on va dire. Donc y'a pas de tour à passer. Et le plus chaud, c'est survivre, on va dire. On va se soigner. Là, ça c'est plus facile de jouer avec elle. On peut se soigner. Ça c'est cool. Il va se calmer lui. Pas si efficace que ça. What the... What the fuck, man? Attends, je vais me venger moi. Oh, je vais me venger, hein. Sérieux? Ça me dit pas si j'aurais le mec qui m'a défoncé, mais... Tiens, prends de tristesse. Pour l'instant, j'ai que, on va dire, des pouvoirs magiques avec elle. La foudre. Je pense que j'aurais d'autres compétences plus efficaces, mais avec ces armes. Voilà. Bon, allez. Allez! Il pue, il rage! Ouh! Non! Putain, mais. C'est ça qui est chiant, c'est le focus. Imaginez pas combien... C'est pour ça que je vois ça, normalement je fais hors caméra. Parce que ça dure là de temps, on va dire, monter tout ça. Qu'est-ce qu'il y a pas de coche, il y a pas de coche, pas de coche. Couteau ! Putain, il t'enrage. Sérieux, ça fait aucun dégât. Ah si, il a fait des dégâts, mais... Hey!
c'est lui qui peut attaquer Bordel. Ok, d'accord. Bon. Voilà, ça c'était une gentille fille. Ok. Donc c'était Rem. Maintenant on va s'attaler. Ok, on va s'attaler avec elle. Comment c'est déjà c'est avec Seven. Elle a un petit côté de Lightning. C'est moi ou je rêve? On dirait vraiment. On dirait Lightning. Ouais. Avec un bas de sport. Ok, d'accord. It's good. Bon, mais c'est parti, hein. Qu'est-ce qu'il y a quand même? Ah ouais, c'est vrai que je me regardais à la... Ah, la fouet. What? Fuck. Oh my god. D'accord. Vous pouvez pas me laisser tranquille, là. Ah, c'est là-bas. Moi, je me souviens. Ok. Eh mais... Ah, tu te calmes, je vais te fouetter, toi. Oh. Putain, mais tu vas mourir, là. Tiens, mange. Ok. Bon, elle est un peu dure à jouer, vu que... Ses attaques, elles sont... Ah, c'est chaud. Oh, putain, l'autre qui se ramène. Ça c'est... Toi tu meurs. Ok. Bon, ces attaques sont assez longues, je trouve, cac. Donc voilà, donc ça c'est Demoiselle. Elle est fantastique, je trouve. Elle a des bons pouvoirs, mais... Enfin, des bons stats, mais... Elle est chaude à manier. Donc on va passer à Tulay. Attendez, Ah ouais, lui tu es un arc. Un arc, les mecs. Un arc, ok. Bon, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, franchement, VS arc, VS... Ok. Tiens, mangez ça. Ah mais lol. Et en fait, sa jauge, en fait, les une jauge que vous voyez là, en fait, en gros, plus j'attaque avec, plus je récupère des points, on va dire, entre guillemets, pour utiliser la pluie de flèches. Et je peux rester à charger et faire une grosse attaque, mais il faut pas qu'il esquive. Et ça, c'est chaud. Donc, heureusement qu'on a des compétences, on va dire, des skills. Lâchez-moi. Voilà. En gros, c'est un mur qui me sera très utile. Oh my god. Moi je dis il va être chaud à faire ce machin. Putain, bon, je... Ok. Ok, d'accord. Bon, ça va être chaud. Franchement, perso, avec ce personnage, ça va être chaud. Donc voilà, ça c'est Tulay. Donc on va prendre Aid. De mémoire, c'est... comment dire... Quelqu'un qui adore taper, on va dire, les mecs avec ses bras... ouais, ses bras et ses mains, ouais, et ses pieds, ouais. Donc vous allez voir pourquoi. MDR. Ok. On dirait un petit monkey... des temps modernes. Ouh. Allez. Ouh. On va nous déniveau. Merde. C'est un petit sage qui court partout et qui vole partout. Ouh. Bon jet. Ah, mais tu me saoules, toi, je vais manger, hop là.
Oh, il est puissant quand même, il trace. Enfin, il court très très vite aussi. C'est ça que j'aime bien avec ce personnage, c'est qu'il court très vite. Il esquive comme un pro. La Castagne. Par contre, il en casse pas beaucoup. Ouais, il en casse pas vraiment, mais pas vraiment beaucoup. Ok. Donc voilà, c'était Mister. Ok, donc voilà, c'était 8. Ok. Alors, personnage. Maintenant, on va continuer avec Size. Celui-ci, là, on dirait la nerf aussi de Lightning. Ouais. Mais je kiffe bien ce personnage parce que franchement, elle est vraiment, mais vraiment sympathique. Bon, avec sa talon aiguille, on va dire, voilà quoi, talon aiguille. Sérieux. Elle donne un côté, on va dire, voilà quoi, révolté. Surtout avec sa cape en denté. Enfin, elle est dentée quoi. Ok. C'est parti. Et ça que je kiffe bien, c'est qu'elle a une faux. Ouais, il faut. Ah, il faut les mecs. Eh ouais, il faut. C'est une prochaine. Tiens, prends l'électricité. Et prends un coup de feu. Non mais attaque devant lui. Voilà comme ça. Voilà, hop, je fauche mes ennemis. Comme si c'était du menu fretta. Allez, laisse-toi te faire couper par une jolie dame. Allez, voilà. Tiens, il rage. Ok, d'accord. Bon, cette attaque, je sais pas à quoi ça sert. Bon, voilà. Donc, voilà ce personnage qui est vraiment intéressant. Fort sympathique, cette Size. Ou 6, Size. Enfin, je sais pas comment le prononcer. Donc, maintenant, on va continuer avec Machina. Non, c'est pas une fille. C'est un mec. Ouais. Avec une cape, jolie cape. Donc, voilà. Et c'est parti. Par contre celui-là il est vraiment fort donc c'est qui est pas mal. Il utilise deux épées torsadées. Bon, il n'est pas plus résistant que ses congénères. Mais... Il est... Voilà. Sérieux il a que ça dans le... Ok. Ok. Non mais... Non mais... Colossé, colossé. Ah. Allez hop, on est là. Ok. Donc il a une compétence qui brille. Voilà. Qui est vraiment vraiment très efficace. Osoi. Ah, Colton, il va. Non mais c'était pas celui qu'il fallait tuer en premier, mais bon. C'est celui-là, là. Allez, merde. Allez, va. Non, personne ne sauvera. Voilà, donc lui il a soin aussi, c'est pas mal. Ok. On va voir si ça marche bien le soin. Putain,
je sais pas combien il faut attendre pour tuer ce soin là. Bon, on peut courir assez indéfiniment en esquivant toutes les balles. On peut pas faire un fil des mains. Allez! Voilà. Putain, ils se sont pas gavés. Hein. On dirait la magie, c'est pas son fort à lui. En même temps, avec ces armes qu'il a. Voilà. Bon, là, on va se laisser défoncer. Il faut passer par une porte, je crois, normalement. Casse où les portes. Je sais pas si ça marche. Non. C'est pas cette porte, bon, mais. Niquez-moi, voilà. Chic show. Donc voilà. Ça, c'est ce personnage-là. Donc voilà, c'est Machina. Donc maintenant, on va passer à King. Sympathique sa coiffure dégradée sur les côtés. Ok. Bon, je peux regarder qu'est-ce qu'il manie, mais je crois que de mémoire il manie des flingues. Ouais, des flingues. Des flingues magiques. Oh, ça fait mal. Bon, ça c'est un attaque normal. C'est ses balles explosives qui est pas mal. Très très mal. Il faut charger d'abord sa jauge. Comme pour tous les personnages qui ont des armes comme ça. Bon, par contre, il y a certaines attaques pas vraiment mouches qui explosent pas comme l'autre. Yamelo, je vais pas arrêter là. Oh. Ok, d'accord. Ouais, montez deux, ça c'est cool. Allez, si je charge plus rapidement. Je vais se charger normalement, je vais faire un saleté de coup normalement. Ce serait bien que vous esquivez pas, bordel! Oh, toi, tu veux pas essayer la casserole! Tiens, soldat impérial! Non! Yamelo! Non! Pas envie! Merde. Mais sérieux, ça fait que des gars. Ouais mais lol, c'est le Fantawak. Oh putain, il en rajoute. T'approches pas. What? Ok. Bon, voilà, il m'a descendu. Maintenant, on va changer de personnage. King est vraiment un sacré personnage, je trouve. On va passer à Jack, un de mes préférés. Donc, c'est parti. On va défoncer à coups de sabre, je crois, tous mes ennemis. Je kiffe ce personnage. Allez, hop, on va voir. Hop, toi. Toi, tu meurs. Hop. Bon après il est level 20 donc je l'ai un peu vraiment amélioré à fond parce que j'adore ce personnage. C'est que c'est un samouraï. Ouh. Mange. Mange. Mange un coup de lame dans ta tronche. Et en plus ça... Tu veux crever. Donc le... Un truc qui est pas mal avec lui c'est ça. Hop. Mon chat. Il peut attaquer plusieurs personnes en même temps. Et ça fait mal. Voilà. Bien maîtrisé, celui-là il fait un carnage. Donc voilà. Alors.
donc voilà. Toi tu meurs. Oh. Enfoiré. Elle a le contre aussi qui est pas mal. La parade. Il la garde, mais il faut bien la mettre vers l'ennemi. Avec lui l'esquive. C'est quoi ce truc? La garde qui est pas mal, mais il faut la mettre du bon côté de l'ennemi parce que sinon ça marche pas. Ok. Donc voilà, ça c'est un personnage franchement que j'adore. Vu qu'il est niveau 20, ouais, 20, ouais. Donc voilà, ça c'est Jack. Maintenant on va continuer avec la Queen. Ouais, la Queen. Ok. Allez. C'est parti, normalement, celui-là j'aime bien aussi. Allez, on dire, voilà quoi. On va dire, elle a une arme intéressante que j'aime bien. Vive la France. On va dire, les armes légères comme ça, là, comme un truc d'escrime là. What the fuck? Celle là aussi elle est agréable à monter en niveau. Elle a une attaque assez intéressante. Et après plus on esquive, de son mieux on arrive à nos fins. Bonjour. Ah, c'est un score que j'aime bien. Mais qu'on se gueule. On va dire c'est pas la presse pour rien. Donc voilà. Bon allez, je fais moi si vous voulez. Non, je vais prendre un coup de suicide dans ta tronche. Esquive, droite, droite, gauche. Donc, en gros ça fait ça quoi, voilà. Là c'est cool pour les ennemis au cac. Alors ramasseur, engage pas de voiture. D'accord, on dirait qu'elle tire avec un tank. Wouhou! Wouhou! Pas massif mais voilà quoi, elle fait du mal quoi. Il faudra que voilà quoi, que quelqu'un me tue. Voilà. Voilà. Ouais loupé mais genre. Le mec il me loupe à cette distance quoi, sérieux. En même temps moi je fais que ce qu'il est. Voilà. C'est bébé sur le génère. Allez! Voilà! Voilà, ils m'ont ratamé, voilà. Ok. Donc c'est bon. Alors j'ai fait Queen. Non, il reste plus que. Ouais, je vais faire la fin. Allons faire la petite Carter. Avec son petit sac écolier à l'arrière. C'est très tendance à cette époque. C'est parti. Elle m'a mis aussi un petit flingue que j'apprécie vraiment. Ça c'est le mec primaire comme ça là. Hop là, tu meurs. Et elle peut faire ça.
des sortes de pluies un peu comme l'archer. On peut le massacrer comme ça. Ah voilà, hop, toi tu meurs. Aïe, itaï. Itaï. Oh putain, il est esquivé. Oh l'enfoiré. Donc voilà, j'ai montré, on va dire, tous les personnages, on va dire, sauf un, s'appelle Ace. C'est le personnage qu'on a de base en premier, qu'on contrôle, on va dire, c'est le notre héros principal, on va dire, dans le jeu, je trouve. Et franchement, ce personnage est vraiment ouf. Et il manipule un petit peu les cartes à la façon, à la Twist Fight de League of Legends. Et tout comme ça, hop, hop. Ce qui est cool, c'est que ce personnage, en fait, il esquive un peu comme à la... Hop, il esquive comme ça avec les cartes. Par contre, il perd beaucoup de vie. Mais après, on va dire... comme ça. Ok. Attends ça. J'ai une compétence que j'avais mis. Je sais pas quoi il sert. Ouh. Oh ouais. Ah ouais. C'est sympathique ce canon laser. Show Kurae. Allez! Pas triplette! Sérieux! Mange ça! Oh, cow! Ça, c'est ces cartes un peu, ouais, un peu comme à la Twist Fight, hein, en fait. C'est... hop là. Ok. En fait, il donne du mana ou du PV, ouais. C'est un peu ça, on va dire. À le mode... what? Call. Tu meurs. Ouais. Tu manges ça. Mec, c'est mieux. Ça le sert pas tout. Voilà. Donc voilà, c'est fini. J'ai présenté tous les personnages. Donc voilà les personnages que on peut tuer dans Final Fantasy Type 0. Donc voilà, je vais juste vous montrer, bon ça parce que c'est l'inventaire basique de tout FF avec les armes. Ça c'est pour les animaux qu'on peut récolter, donc il y en a pas mal. Donc voilà, après ça c'est notre monture. Ça c'est pour les équipes, on peut avoir 3 personnages par escouad. Je crois, ouais c'est ça. Ouais. Normalement ouais, c'est que 3, je crois, ou 4. Bon normalement c'est soit on le verra dans le prochain ou dans les anciens, je m'en rappelle plus vraiment, c'est longtemps que j'ai pas trop joué. Donc voilà, après ça c'est bon, ça, le réglage, le déplacement, la carte elle se déplace comme ça. Ah oui, qui peut être utile. Là vous voyez en fait on peut rien monter en stade ni rien. Et pour monter de stats, il faut y aller dessus. Là, bon, c'est pour choisir le personnage actif. Alors, le personnage qui passe en premier et tout. Donc, ça, c'est pour les équiper. Donc, en gros, là, on peut équiper toutes les magies qu'on veut, les mettre en défense et tout. On va dire, tout dépend des compétences que vous avez mis en fait sur vos personnages. Mais après, il faut réfléchir au monde stratégie. Et bon, les armes, c'est toujours des armes normales en fait. Après, il y a des armes plus puissantes et tout. Comme tout FF. Bon, après, voilà quoi. Il peut y avoir que 2 compétences actives, une défense et une arme. Quoi. Et 2 accessoires. Appelons amélioration. Donc, après, ça pour les améliorations, ça consomme des PC. On va dire comme dans les autres Final Fantasy en gros. Donc, voilà. Donc, ça change pas trop. La caractéristique, c'est pour augmenter les stats. Bon, ça, c'est tout qu'on loot, je pense, qu'on peut acheter. Donc, voilà. Donc, là, c'est pour améliorer les sorts de tout le groupe, on va dire.
En gros, c'est en tuant tous les personnages comme j'ai fait dans, on va dire, dans l'entraînement. Et avec ça, on récupère, on va dire, les anima. Et les anima, en fait, ils servent à améliorer, on va dire, par exemple, je veux dire, par exemple, celui-là, ce pouvoir. En gros, ils demandent des anima rouges. Et après, ils demandent aussi des magenta. Donc, en gros, avec ça, par exemple, on augmente de la puissance. Mais je crois que c'est le rendement qui soit un petit peu réduit. Mais par exemple, si on augmente le rendement, l'incantation sera améliorée, je crois, ou réduite, je m'en rappelle plus. Bref. Et un coup, en fait, voilà, maintenant on peut raccourcir le temps nécessaire, ok. Ok, d'accord, tu vois. La puissance permet d'augmenter les dégâts. Mais normalement, ça enlève un truc, je sais pas. J'ai pas assez d'anima pour montrer, j'aurais bien montré, mais j'ai pas. Donc voilà, ça c'est pour l'anima, après une graphique, on va sauvegarder quand même. Hein. Sauvegardons cette partie. Hop. Donc je serai de retour sur Final Fantasy Type 0. Donc voilà, c'était Guincho. Bye bye!